On a gagné! Le premier combat énervé. Ce n'était que le premier. Sachant qu'à l'origine, dans FES, il disparaissait pas comme ça. Il se décomposait littéralement et c'était... Ah, c'était une scène un peu... cauchemartière. Alors que là, ils ont changé de direction artistique, ils l'ont fait disparaître en papillon de lumière. Pourquoi pas, c'est un choix. J'aurais préféré qu'on se retrouve avec la scène où il se décompose littéralement, puisque c'est un cadavre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un monstre qu'on a créé nous-mêmes. Mais c'était. Don't worry, Yukari. It may have taken his form. You calm, Yukari. Même si cette chose avait pris sa forme. But that was a shadow. At least it seemed like one to me. C'était une ombre. En tout cas, c'est ce qu'il m'a semblé. Wait, how does that make sense? He was using personas. Oui, mais stop, c'est utiliser des personnages. Comment vous expliquez ça? Les personnages, c'est pour se battre contre les ombres, on est d'accord. Attendez, vous ne savez pas? Les personnages et les ombres, c'est la même chose. C'est bien pour ça que vous pouvez les affronter. Shadows are the basic components of the human mind. Suppressed thoughts given physical form. Et oui, du coup, les ombres, c'est ce qu'on affronte ensuite dans Persona 4 et 5. Les boss, c'est à chaque fois des ombres. Mais là, c'est la première fois qu'on combat une ombre en tant que telle. Et pas juste un ennemi qui se promène sur la carte. Les ombres sont des esprits. J'arrive pas à parler. Les ombres sont des éléments fondamentaux de l'esprit humain. Des pensées refoulées qui ont pris forme. When people lose the strength to face the darkest parts of themselves, those parts break loose, free from all control. Quand les gens n'ont plus la force de faire face à leur part d'ombre, ces éléments se libèrent hors de contrôle. But in rare cases, people with a certain awareness are able to consciously tame their shadows. That's all it is. Mais parfois, les gens doués d'une certaine conscience parviennent à apprivoiser consciemment leurs ombres. Voilà tout. So, persona users are just people who can control their own shadows? Alors les utilisateurs de Persona sont juste des gens qui contrôlent leurs ombres? Oui. Back up a sec. Attends. So, personas and shadows are just different names for the same thing? En fait, Persona, ombre, c'est bonnet noir et noir bonnet. Oui, bon. Ça, c'est bizarre de l'avoir traduit comme ça, mais oui, c'est une bonne expression. Alors qu'en anglais, ils disent juste que c'est la même chose. How didn't you know? Wouldn't whoever created me and my sister had to have known that? Mais comment on pouvait l'ignorer? Ceux qui nous ont créés, ma sœur et moi, le savaient forcément. No one involved with that is still alive. Tous ces gens-là sont morts. So then, our personas are the cause of all this? Alors nos personnages sont la cause de tout ça. The power of shadows affects both time and space. Le pouvoir des ombres affecte le temps et l'espace. So it makes sense that your subconscious thoughts would be manifested through your personas. Il est logique que vos pensées inconscientes se manifestent via vos personnages. You can't accept time moving on. You don't want to admit that you live in a present where you've lost someone precious. N'acceptez pas que la vie continue, que vous viviez dans un présent où vous avez perdu un être cher. So that's... Alors...
C'est pour ça qu'il lui ressemblait. Time stopped, just like we wanted. And now we're stuck here with our memories. Le temps s'est arrêté comme on le voulait et on était coincé ici avec nos souvenirs. We're the ones who trapped ourselves. How ironic. C'est piégé nous-mêmes, quelle ironie. Well, regardless of what it was, we beat that thing. Bon, quoi que ça ait été, on a vaincu cette chose. We understand our regrets. So shouldn't we be able to leave now? On a compris nos regrets, on devrait pouvoir sortir maintenant, non? Yes. Oui. Whoa! What the hell's this now? Eh, il se passe quoi encore? It looks like a key. Dire une clé. Those must be the keys that will allow you to leave. Ce sont sans doute les clés qui vous permettront de partir. Once you make it outside, the abyss of time should disappear on its own. Quand vous serez sorti, l'abysse du temps devrait disparaître de lui-même. La clé du temps. But, why are there 8 of them? Mais pourquoi il y en a 8? Because you all had a hand in causing this. These keys can be likened to the power of your hearts. Parce que vous êtes tous impliqués. Ces clés symbolisent le pouvoir de votre âme. The door should open if you use all 8 at once. Si vous utilisez les 8 à la fois, la porte devrait s'ouvrir. Strength of heart united is barred by no door. Force du cœur, quand il ne fait qu'un, est entravé par nul obstacle. Is this what he meant? C'est ça qu'il voulait dire. Alors, on les utilise ensemble et on est bon. Cool. Je suis d'avis qu'on se meigne de sortir d'ici. Une minute. C'est bien pour l'entrée du dortoir, hein. There is that. But it's not your only option. Une possibilité, mais ce n'est pas la seule. There's another door as well. One that doesn't lead to the outside world. Et la subtilité est là. Il y a une autre porte qui ne mène pas vers le monde extérieur. You can exit through it or the entrance. Vous avez le choix. Those are your choices. Franchir cette porte ou passer par l'entrée du dortoir. The door that doesn't lead outside. So the one to his room. Why the choice? Une porte qui ne mène pas dehors, celle qui est ici alors. Pourquoi ce choix? L'entrée du dortoir vous ramènera au présent. L'autre porte mène dans le passé. The past. Le passé. The world of the past. You've all been there many times now. Le monde du passé. Vous y êtes tous allés à maintes reprises. But this time, the abyss will disappear if you go through that door. You'll actually be in the past. Mais cette fois, l'abysse disparaîtra si vous traversez la porte et vous serez réellement dans le passé. Quoi? Tu es sérieuse? Why would I lie? I'm just telling you what I know. Pourquoi mentirais-je? Je vous dis ce que je sais, voilà tout. Let me see if I understand correctly. Voyons si j'ai bien compris. We have to choose between moving forward past our regrets or revisiting the source of them. Nous avons le choix entre laisser nos regrets derrière nous ou revenir à leur source. What do you want to do? Que veux-tu faire? Me? I'll go along with whatever you decide, sister. Moi, je suivrai ta décision, grande sœur. I just want to save you from this awful fate. Tout ce que je veux, c'est te sauver de ce sort affreux. That's all I care about. C'est tout ce qui compte pour moi. Awful fate. Ce sort affreux. So what will you choose? Alors que choisis-tu? I. Je. Dites, si on rentrait au dortoir pour commencer. C'est super chaud de décider ici et maintenant. Yes, I agree. Et mon avis aussi. What's going on? Que se passe-t-il? C'est quoi ces fissures dans le sol? Ça va mal, tout devient instable. Nous avons encore du temps, mais pas beaucoup. Si ces fissures atteignent la porte, on ne pourra peut-être plus partir, même avec les clés.
It's just one thing after another, isn't it? Bon, ça sent pas une minute de répit, hein. So, guess we gotta decide what to do with these keys, huh? Du coup, il faut qu'on décide quoi faire avec ces, avec les clés. I want to stay in the present. I think that's what he would have wanted too. Je continue dans le présent. Je crois que c'est ce qu'il aurait voulu. What he would have wanted, huh? Ce qu'il aurait voulu, hein. I've been thinking. He died so suddenly, and they never even figured out the cause. J'ai réfléchi. Il est mort soudainement, sans qu'on en identifie la cause. I get the feeling that he must have given his life to make some kind of miracle happen. J'ai l'impression qu'il a donné sa vie pour qu'une sorte de miracle se produise. He thought about it, weighed his options, and ultimately chose to leave this world. Il a réfléchi, sous-pesé les possibilités et décidé de nous confier le monde. Hi. Miracle? Mort? Un miracle? That's why, personally, I don't want to just undo his decision. C'est pour ça que personnellement, je ne veux pas que sa décision perde son sens. I want to respect his sacrifice. Je veux respecter son sacrifice. Oh, Amada. Oh, Amada. I'm with Amada. Je suis d'accord avec lui. We all saw the resolve it takes to face death head on and accept it. On connaît tous la détermination nécessaire pour faire face à la mort, l'accepter. That resolve and what it brought about. Alors cette détermination, cette décision, est-ce qu'elle a apporté? Even if it hurts, we have to accept it too. Même si ça fait mal, on doit les accepter aussi. C'est comme ça qu'on honorera sa mémoire. Yukari, what about you? Ah, et toi, Yukari? You're all about the here and now, right, Yuka-chan? Toi, c'est l'instant présent, hein, Yuka? You gotta look forward, huh? That's practically your motto, ain't it? Faut avancer, être tourné vers l'avenir. C'est un peu ta devise, non? Je veux retourner dans le passé. Yeah, I always tell myself to look forward and let go of the past. C'est vrai, je me dis toujours qu'il faut avancer, tourner la page. Mais là, c'est différent. On pourra peut-être changer les choses. C'est une occasion unique. Yukari. So you take away his choice for your own. Tu es prête à annuler son choix pour le remplacer par le tien. That's not what I said. C'est pas ce que j'ai dit. We can actually change the past. What's wrong with wanting that? On a l'occasion de changer le passé. En quoi c'est mal de vouloir le faire? Alors je te pose la question. Si tu empêchais la mort de ton père, il se passerait quoi? Les gens que tu as met, ce que tu as gone through with them, it all be gone. And you wouldn't be the person you are now. Ce que tu as rencontré, ce que tu as vécu à leur côté, tout disparaîtrait et tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. It's the same for Shinji and Miki. It wouldn't erase their deaths either. Pareil pour Shinji et Miki, je n'effacerai pas leur mort non plus. Every single thing about my past is important. Tous les éléments de mon passé sont importants. Parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis. But that's not even... mais ce n'est même pas ce que... Guys, let's all take it down a notch. Oula, on se détend, ok? Take it down a notch? Are you kidding? On se détend? Non mais c'est une blague! À l'inverse, oui, il faut prendre ça plus au sérieux, on peut le sauver de la mort. Tu ne veux pas le faire revenir, toi? Bien sûr que si. Mais crier comme ça, ça va résoudre quoi? Et puis réfléchis, si on y retourne, il faudra faire face à Nyx encore une fois. Alors quoi, t'as peur de te battre? Non, enfin si, mais... Ah, je sais plus ce que je dis, mais il faut que tout le monde se calme. Aigis, à ton avis, comment faut-il utiliser ces clés? The past or the present?
I'm just not sure. Passé, le présent, là je ne sais pas quoi dire. You seriously won't make a choice? Sérieusement, tu refuses de faire un choix? The day we said our goodbyes, you were the only one who didn't show up. Le jour où on a fait nos adieux, tu es la seule à ne pas être venue. You got to hear his last words, and now you even have his power. C'est toi qui as recueilli ses dernières paroles. Maintenant tu as même son pouvoir. Mais tu ne sais toujours pas quels sont tes sentiments vis-à-vis de lui. Listen, I know it hurts. Believe me. It hurts so much I can't stand it. Écoute, je sais bien que ça fait mal. Ça fait tellement mal que je supporte plus. Mais. Yukari-san. Kari, un jeu. Forget it. Nothing I say will make a difference anyway. Laisse tomber. Rien de ce que je dis ne fera de différence. Metis. Does everyone have to agree for the keys to combine? Métis, il faut que tout le monde soit d'accord pour que les clés se combinent. Not necessarily. The keys themselves don't have opinions. Pas nécessairement, les clés elles-mêmes n'ont pas d'avis. Ce sont des clés après tout. So in other words, it's possible to take them by force and combine them. En d'autres termes, c'est possible de les prendre de force et de les combiner. Vous voyez le truc venir, hein? De force, tu sous-entends que tu veux te battre? Non, je ne veux pas, mais si on ne tombe pas d'accord, alors on n'a pas le choix. Nous n'avons plus le temps et discuter ne nous a mené à rien. Tu n'as pas tort. La vie d'un ami proche dans la balance. Aucun d'entre nous ne se laisserait influencer. Dans ce cas. Attends, Senpai. I had already made my decision. I will stand with Yukari. J'ai déjà pris ma décision. Je suis avec Yukari. Senpai. You're siding with Takeba. Are you sure? Tu te ranges dans le camp de Takeba. Tu es sûr de ton choix. All right. I guess you've got your reasons. And I've got bon. Mine. J'imagine que tu as tes raisons, tout comme j'ai les miennes. Moi, je suis avec ma sœur, je la protégerai quoi qu'il arrive. Je comprends, Métis, tu sais ce qui compte pour toi. Je comprends donc pourquoi je ne peux pas céder non plus. Oui. Attendez-vous tous, ne faites pas ça. J'ai fait mes sentiments clairs. Maintenant, vous... Non. Exprimer ce que je ressentais. Maintenant, c'est à toi de... Non. C'est à nous tous de reconnaître nos sentiments. Pensez à ce qu'il... à qui il était, à ce qu'il représentait pour nous. We'll need a proper venue for the battles. A place where the results will be absolute. Il faudra un lieu adapté aux affrontements, un endroit où les résultats seront absolus. I'll show you the way. Let me know when you're ready. Je vous y mènerai. Avertissez-moi quand vous serez prêt. We're really going to fight each other? On va vraiment se battre les uns contre les autres? Oui, et ça va être dur. Autant psychologiquement que physiquement. Mes amis sont irrémédiablement divisés. Quelle décision vais-je prendre? Je compte sur toi pour beaucoup de choses, Aegis, et je sais que prendre des décisions n'est pas simple. Mais si je te soutiens sur ça, alors les autres... Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas si je peux l'expliquer clairement, mais je pense que personne n'a raison. C'est vrai, même toi tu ne sais pas quoi faire, Aegis. Ça ne me convient pas non plus. Pour cette raison que je ne peux pas être dans ton camp. Elle a dit de réfléchir à ce qu'on voulait, et c'est ce que je vais faire. Kuromaru surveille Junpei. Visiblement, il a choisi son binôme. Je comprends qu'on veuille changer le passé, qu'on soit désespéré de trouver un moyen d'y arriver. Mais remuerait-on le passé pour lui ou pour nous? Car la tournure des événements n'est pas due au hasard, il l'a choisi. C'est pour ça que je ne changerai pas le passé, je n'accepterai jamais ça. Pour être honnête, il me manque aussi beaucoup. Ce n'est pas que je ne veux pas qu'il revienne, mais il a fait son choix. Et je vais essayer de comprendre sa décision. Pourquoi je suis Sanada sur ce coup-là? On est sur la même longueur d'onde, lui et moi.
Est-ce que Métis se cache dans la clé? Ah bah elle est là. Je ne dis pas que j'ai objectivement raison, mais je crois que l'on manque de temps pour continuer à débattre. C'est juste que, à la fin de notre combat avec Nyx, je ne pouvais plus bouger. Je n'ai plus que le regarder partir. Alors je veux m'en plonger dans l'action et n'avoir aucun regret cette fois. C'est vrai, affronter nos regrets, c'est bien le but de tout ça, non? Toi aussi tu dois prendre une décision. Que tu n'aies pas d'opinion là-dessus est inacceptable. J'avais dit qu'elle serait détestable, hein, après avoir vu ses souvenirs. Comme je l'ai dit, je me joindrai à Yukari pour ce combat. Je sais que c'est irresponsable de ma part de choisir un camp après t'avoir élu chef. Mais je ne reviendrai pas sur ma décision. C'est pour ça que tu n'as pas à tout garder pour toi. Tu peux te lâcher avec nous. On fait un petit dernier aller-retour ici. Oh, 3 lames données en premium. Cool. 1 million. Avant j'avais besoin d'argent, maintenant j'en ai plus besoin parce que tout ça me sert à rien. Ça me sert plus à rien maintenant d'avoir autant de monnaie. Ça, on en a pas besoin. Voilà, on fera de la place. Voilà, on va faire de nouvelles fusions d'équipements. Sauf que ça coûte beaucoup trop cher. Donc on a rien de ce qu'il faut. Donc ça ne sert à rien. Ah, on doit avoir des fruits et des légumes. Je ne comprends pas ce qui se passe dans vos têtes, mais ne les laisse pas t'influencer, grande sœur. Je te protégerai à leur place quoi qu'il arrive. Quand on sera sortis de là, on sera tous séparés. Après, tu ne pourras plus voir tes amis. Tu es prête? Je suis prêt. Bien alors, suis-moi. Alors c'est... Où sont les autres? Ne t'inquiète pas pour eux, ils attendent de leur côté. You see the big door up ahead? Tu vois cette grande porte? There's an arena through there. That's where we'll be fighting them. Derrière, il y a une arène. C'est là-bas qu'on les affrontera. And these are real battles. There will be a price for losing. Et ce sont de vrais combats. La défaite aura un prix. Sister, are you listening? Grande sœur, tu m'écoutes? Is there really no other way? Il n'y a vraiment pas d'autre moyen? It seems so. The others didn't appear willing to back down anyway. C'est ce qu'il semble. En tout cas, ils n'avaient pas l'air prêts à céder. But even if you refuse to fight, I won't let them take your key. Et même si tu refuses de te battre, je ne laisserai pas prendre ta clé. You promised me that you wouldn't hurt my friends. Tu m'as promis de ne pas faire de mal à mes amis. I know. But your life might be on the line here. Je sais, mais ta vie est peut-être en jeu. What? Quoi? Your key and your new power are both deeply connected to your heart. Ta clé et ton nouveau pouvoir sont tous les deux étroitement liés à ton cœur. So if your key is taken, I think your life could be at risk. Alors si ta clé devait être prise, je crois que ta vie serait en danger. You don't know for sure. Mais tu n'en es pas certaine. No, but it's possible, isn't it? Non, mais c'est possible. Other person with the same power as you died, didn't he? Cet homme avec le même pouvoir que toi, il est mort, lui. I'll protect my sister, whatever it takes. Je protégerai ma sœur, quoi qu'il en coûte. You know, this is actually where I woke up.
C'est ici que je me suis réveillé en fait. I've been wondering what this place is, but now I have this feeling. Je me demandais ce que c'était que cet endroit, mais maintenant j'ai une impression. It's hard to explain, but I think this is what I was meant to do all along. C'est dur à expliquer. Je crois que je suis destiné à faire ça. Le Colosseo Purgatorio, le Colisée du Purgatoire. Ça mène où ça déjà quand on repart? Ça ramène au désert, juste voir si Elisabeth elle a pas des choses. Non, ça a pas l'air. Ouais, ça va être énervé. Si je franchis cette porte, je finirai par combattre mes amis. Ouais. Mais il le faut. C'est une arène, c'est un colisée. C'est ici que tu t'es réveillé. Hey, c'est pas des combats solo, c'est des combats doubles. Ça va être encore plus énervé. Endroit étonnant et tout à fait adapté à ce qui va se passer. Aegis, Senpai. Il fournira du soutien aux deux camps de façon égale, est-ce acceptable? Oh, stop, tu ne peux pas décider de ça à ma place. Je n'aiderai pas mes amis à se faire du mal les uns les autres. Mais compte tenu de tes pouvoirs... Yamagishi, va avec Aegis. Tu es entièrement opposé à l'idée de combat, alors tu n'as pas à être de notre côté. Mais Senpai... Amada et moi, on sait ce qu'on veut, et on est prêts à se battre pour ça. Aegis-san, avez-vous décidé ce que vous ferez if... You get the keys? Aegis, tu as décidé de ce que tu feras si tu obtiens les clés? Je ne peux pas combattre mes amis. C'est une machine, laisse-la tranquille. Takeba avait raison, nous devons reconnaître nos sentiments. Il ne l'a toujours pas fait. Si tu n'as pas rien à combattre, juste hand over your key. Tu ne te bats pas pour quelque chose, donne-nous ta clé et pars. Mais... Non, je ne le permettrai pas. Ouais. Mais avec la musique... La meilleure musique de l'extension... Allez, on y va, on va voir ce que vous voulez. Je sais que tu ne veux pas te battre, mais nous ne pouvons pas reculer. On va vraiment le faire. Aegis, je vais te soutenir. Visiblement, on n'arrivera pas à les convaincre. Ça va être énervé. Je sais pas à quel point... Mais c'est pas des combats qui sont censés être simples. Ça va, ils ont de la vie, mais pas tant que ça. Maintenant,
Ah, il fait mal. J'ai pas l'attaque de zone. Donc là. Corias. Ah, il va en coup critique, ok. Si main coup critique, je pense que je suis mort. C'était un bon échauffement. Par contre, il va falloir que je gère le soin. C'est moi le soin. Ah. Bon, je peux pas me soigner. Enfin, si, mais pas comme je voudrais. Bon, on est un peu dans la merde. C'est toi qui vas devoir faire le soin. Un homoncule qui est mort déjà. Oh, si je peux sortir un coup critique. Ah oui, ça lui a bien fait mal. En vrai, il faudrait faire ça. Si ça peut mettre un coup critique à Kiiko, ce serait encore mieux. Oh, bah sur Ken, ça va. Je suis content d'avoir gardé ça finalement. Après, j'avais dit qu'avec Siegfried, c'était simple. De toute façon, chose sérieuse, je vaut mieux que ça. Ah, il fait sa théurgie. Ah! Bon, bah, faut espérer que je survive. Ah bon, ça va, c'est pas moi qui le vise. C'est pour ça qu'hein, que ce DLC, il fallait. Enfin, qu'à l'époque. Dans FES sur PS2, il fallait farmer. Parce que sinon, tu te faisais abattre. Soigne-toi. Littéralement, soigne-toi. Ah, il remet Révolution sur le terrain, d'accord. Ah, il y tient. Si Akihiko fait un coup critique. Évidemment qu'il allait en faire un. Ah, il faut des changements. Ah, je bloque la lumière. Ah, bah, 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 bah. Ah. Ah, Siegfried, c'est pété, Siegfried. Ça a toujours été pété, sera toujours pété. Ah. Il y tient un one shot, hein. Avec Koromaru sera compliqué parce qu'il fait du ténèbre au Koromaru aussi. Et je crois que Siegfried est faible aux ténèbres. Alors j'aimerais. J'aimerais les débuffer, mais si je soigne pas Métis, elle va crever. Forcément! C'est elle qui vise, pas moi!
Très bien, vous les jouez à ça. D'accord, d'accord. Juste que je mette pas trop cher à Kiko parce que sinon il va faire sa théorgie, j'imagine. Et sa théorgie, elle peut faire très très mal. Ah, il va remettre vraiment révolution à chaque fois. Non, ça va, il passe pas en mode théorgie, il fait pas sa théorgie. Si je peux la battre, on est bon. Parfait. Parce que normalement, il a du soin Ken. Donc il pourrait soigner sa Akihiko. C'est pour ça que... Il est battu, on est bon. T'en es bien sorti, Amada. Laisse-moi gérer le reste. Et puis ça fait plus qu'un adversaire pour faire des dégâts. Et on va se servir de ça. Voilà. C'est suffisant. Bien joué. Ça, c'est un vrai combat. Ah, la chance. Il va faire un petit embelli. Sur toi. Comme ça, elle fera encore plus de dégâts. Car il n'y a jamais assez de dégâts. Voilà, 100 dégâts de plus quand même. Voilà, et vu qu'elle est en mode orga, elle prend moins cher. C'est parfait. Si je fais un critique, il est mort. Ou alors il lui restera quasiment rien en termes de points de vie. Oh bah non. Quel que soit le coup que je fais, on a gagné. C'est vrai qu'il reste sa théorgie. Je ne me laisserai pas faire. Je ne retiendrai plus mes coups. C'est vrai qu'il reste sa théorgie, il l'avait pas encore fait. Il s'est embelli. On aurait dit l'annulation d'embelli. Heureusement que je l'ai embelli. Oui, oui. Si elle peut me soigner gratuitement, ça me va. Ah bon bah. Encore mieux. Si ça passe, il est mort. S'il l'esquive. Voilà. Bon, ça fait deux, un combat, plus que deux. Pensez à prendre une Persona pour me soigner la prochaine fois. Ça aiderait. Sonata-san, Amada-san. Mais qu'est-ce que... They paid the price for losing. Ils ont payé le prix de la défaite. They're still alive. They just won't return to normal until the true key is forged. Ils sont en vie. Simplement, ils ne reviendront pas à la normale jusqu'à ce que la vraie clé soit forgée. But if the fires burn out, they won't come back, even after forging the key. Par contre, si le feu s'éteint, vous ne le reverrez plus. Plutôt, vous ne les reverrez plus, même après. Is that why you brought us all here? C'est pour ça que tu nous as amenés ici. So I couldn't stop fighting once I started? Pour que je ne puisse pas cesser de me battre une fois que j'aurai commencé. I have no choice. If you don't fight, they'll take your key. I can't let you die. Je n'avais pas le choix. Si tu ne te bats pas, ils prendront ta clé. Je ne peux pas te laisser mourir. Die. Rire. I guess. What does she mean? You tell us about something like that, right? Aegis, qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu le savais, tu ne l'aurais dit. I didn't think anyone else.
else should know. Je pensais que les autres n'avaient pas le savoir. Everyone is doing what they feel is best. For him. Ils font tous et toutes ce qui leur semble le mieux pour lui. They don't need to worry about what might happen to me too. Faut-il qu'ils s'inquiètent de ce qui pourrait m'arriver? I guess no. I guess non. This is why you. C'est pour ça qu'il faut. Anyway, I'm sure this is what I was meant to do. En tout cas, je suis convaincu que c'est ce que je suis destiné à faire. Sister? Grande sœur? Don't call me that. Ne m'appelle pas comme ça. You're not my sister. Tu n'es pas ma sœur. Do you hate me now? Tu me hais à présent? That doesn't matter. You're still more important to me than anything. Eh bien, tant pis. Tu restes plus importante que tout pour moi. So I won't stop. Even if you hate me for it. Alors, je ne m'arrêterai pas, même si tu dois me haïr. I will protect you, no matter what. Je te protégerai quoi qu'il en coûte. La bataille a commencé. Je dois sauver mes amis vaincus. Je n'ai donc pas le choix. Je dois continuer à me battre. Tu vas bien, Aegis? Non, bien sûr que non. Sister? Je ne m'arrêterai pas. Même si tu me détestes pour ça, même si c'est douloureux. On y retourne. Il y a encore deux combats doubles à faire. Prendre une persona qui a du soin, avant tout. Ce serait con de se retrouver à court de soins, encore une fois. Marvelous. Regarde toutes ces difficultés, tu continues de te battre. Ah oui, non, mais c'est le dialogue à chaque habituel. How may I assist you? Is overriding acceptable by completed registration? Please, take a look. Oh, je peux avoir Susanoo. Le problème, c'est qu'il n'a pas de soins, Susanoo. Bon, je vais le prendre juste pour voir si ça me déverrouille la théurgie. J'ai pas l'impression. Bon. Est-ce que toi, t'as du soin? Non, évidemment que non. Toi, c'est de la résurrection. Ah ben voilà! Ah, mais c'est pour un allié. Non, toi je veux pas de voir. Ah là j'ai pas le niveau. Si j'ai le niveau. Mais t'as pas de soin. Ah. Parfait. Ça fera l'affaire. Du soin de groupe. Et y a pas de théorie avec Susanoo et Loki. Non. Ah, ils ont enlevé beaucoup de théorie, j'ai l'impression. En même temps, elles étaient assez craquées, les théorgies. C'est compréhensible. Mais toujours en normal, hein. En temps normal. Eh ben, on y va. On continue. Second combat. Bon, je crois que je pige en gros ce qui se passe. Ça, c'est ce qui arrive aux perdants, hein. C'est exact. Et personne ne prendra la clé de ma sœur, peu importe qui je dois combattre pour ça. J'en attendais pas moins de toi, la petite sœur, mais toi, Aegis, t'en penses quoi? You wanna redo the past, or
Tu veux refaire le passé ou avancer vers l'avenir? Aegis est en dépression surtout, elle est traumatisée. J'avoue que moi-même, j'ai pas vraiment choisi, mais j'ai gambergé. C'est le présent, je sais pas, je crois que c'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Et du coup, c'est peut-être nous le souci, parce qu'on voit les choses comme ça. Regarde-nous quoi, on se tape dessus parce qu'on n'arrive pas à tomber d'accord. Alors, est-ce qu'on est vraiment capable de créer un avenir meilleur si on y retourne? Si on crée un avenir encore pire à la place. Ouais. Je sais bien qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si on se précipite et qu'on se bat entre nous, on créera un avenir encore pire, c'est obligé. Bref, c'est mon choix et je m'y tiendrai. Si on doit se battre, alors je vous remettrai la tête à l'endroit. C'est le mieux que je puisse faire. S'il était là, je parie qu'il saurait quoi faire. Junpei-san. Sorry, Aegis. You can't be the one moving on to the finals if you don't even know what you want to do. Pardon, Aegis, mais tu ne peux pas aller en finale si tu ne sais même pas ce que tu veux faire. Alors je dois m'en occuper moi-même, et tant pis si c'est dur. Merci bien, Koromaru. Allez, je suis prêt. On s'y met. Bon, amplement le niveau. Niveau 83, c'est amplement suffisant. On a le niveau. Rancune, d'accord, hein. Ouais. Il faut le temps de finir de lire. Non, pas du tout, il doit y avoir un autre moyen. Non, en premier, tu vas t'embellir. Siegfried, ça va être un peu compliqué, il y a des ténèbres. Ah merde! Ah oui, forcément! Ben on va pas s'en sortir. Hein. Chaîne de perles. Si. Ah mince, elle en avait pas besoin. Je croyais qu'elle avait pris plus cher à Aegis. Ah mais c'est vrai que j'ai toi. C'est pour tout le monde. Et je peux me buffer. Parfait. Problème est réglé. Focus.
Dans mes souvenirs, Koromaru il a pas de soin, donc on peut les taper les deux en même temps. Juste que si on fait ça, on va se prendre les deux théorgies en même temps et ça, ça va être vénère. Quoi? Oula. Bon bah oui, bah le truc est passé. Il a un contre sur les dégâts physiques. Bah j'ai pris cher. Je ne peux pas me lever. Aegis, Métis, désolé. Heureusement que j'ai sauvegardé. Viens Koromaru, on doit faire ça à notre sauce. Réparer le passé ou accepter le présent, quel chemin aurais-je de choisir? Ou bien existait-il une autre possibilité? Ou qu'il en soit, je suis incapable de faire ce choix. Je perds conscience. Il y a même un petit dialogue, j'avais oublié. Recommencer le combat. Merci, ne retiens pas tes coups. Allez, va jouer. On va faire un coup très rapide comme ça. Est-ce que c'est un miroir ou est-ce que c'est un renvoi? C'est un miroir qu'il a, enfin c'est un boomerang. C'est pas... C'est pas un truc à 100%. Mais du coup il peut moins shot s'il y a son boomerang qui se déclenche. Ça va être problématique. Il va forcément me faire du feu. Mais il faut que je m'embellisse. Ah mince, je suis déjà embelli. J'aurais dû le faire sur Métis. Et forcément, il va me viser, moi. Bon, ça va, il m'a rien fait. Oh, ça va, c'est moi. Je résiste au physique. Aïe, oui. Sauf que je suis étourdi, donc je prends plus cher. Ah là, voilà, j'ai pas pris cher. Bon ben, voilà quoi va servir ma théorie au lieu de faire des dégâts. Ah, un critique, c'est très bien. Ah oui, il a pris cher avec le critique. Et là, je t'embellis, toi. Ah mais elle a déjà des trucs, bah parfait, je vais changer de persona. C'est dangereux de faire une charge et de me faire potentiellement one shot. Double critique. Sauf qu'il va faire sa théorgie, j'imagine. Koromaru a l'air d'avoir de l'énergie à revendre. Non, il fait pas sa théorgie. Il veut one shot. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ouais, j'ai envie de tenter. Toi, je sais très bien ce que tu vas faire. Tu vas faire le debuff. Pas de défense. Parce que s'il arrive à me terroriser et qu'ensuite il fait un coup, il peut me tuer. On va voir si je me fais one shot. Ah, ils l'ont tous les deux.
Ah! Ah, ils l'ont tous les deux. Eh bien, on va faire attention. C'est pas grave, j'ai un plan B. J'ai un plan B. Un plan B qui est pas très efficace, mais qui fonctionnera sur la durée. Déjà un embellissement. Toi aussi, tu vas commencer à charger. Se buffer pour essayer d'esquiver plus facilement. Ouais, parce que Métis, elle le prendra moins cher en termes de dégâts physiques. C'est pour ça que c'est qu'avec elle que je vais bourrer. Ah! Ça, c'est problématique. Je vais essayer de tenter d'avoir un coup critique. De toute façon, s'ils ne peuvent pas me le renvoyer. J'ai pas eu de coup critique, c'est dommage. Ah mais t'as pas de. Elle a pas de coup. Elle a pas de point faible, tant mieux. Non, c'est du physique. Voilà. D'accord, ça leur fait ça de dégâts. Heureusement que c'était pas ça mon plan B. Oui, il faut leur faire comme ça. Ça, c'est mon plan B. Bon, ça fait pas grand chose, mais ça fonctionne. Et forcément, il va me biser instantanément. Forcément. Ah.